Bonjour à tous, c'est Lenny et bienvenue sur Science Coder dans cette toute nouvelle émission sur les mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Pour ce premier numéro de chauff, on va un petit peu s'amuser avec quelques grands mystères de YouTube. Pour cette première enquête, on part sur du lourd, hein, un nuage tombe sur Terre à Abu Dhabi. On part sur du très haut level quand même, hein, dès le début. Je vous promets pas que la suite va relever le niveau, hein. Alors mon pote, si tu vois des nuages avec cette gueule, va falloir vraiment que tu m'appelles à ce moment, parce que c'est quand même assez grave. Grave surtout au niveau de l'ignorance ou de la connerie, je sais pas encore, il faut que je me décide. Sérieusement, pour beaucoup d'entre vous, vous aurez reconnu de la mousse comme moi. Hein. Maintenant, à savoir d'où elle vient, ça c'est une autre histoire. Deux théories s'offrent à nous. Théorie numéro 1, c'est de la mousse qui vient de l'océan. Et oui, vous avez certainement déjà vu ces plages entières remplies de mousse lors de tempêtes, et bien avec un peu de vent, je suis sûr qu'un petit bout pourrait se déplacer sur quelques kilomètres sans souci. Deuxième théorie, c'est de la mousse chimique qui proviendrait d'une usine ou autre. Dans les deux cas, il est complètement idiot de croire que c'est un morceau de nuage, hein. Non mais puis quoi encore, c'est soirée mousse tous les soirs dans les grandes montagnes, c'est ça? Allez, préparez-vous, le prochain nuage va arriver, préparez vos maillots! Pour rappel, un nuage est formé de vapeur d'eau qui, lors de sa condensation, forme des petites gouttelettes, hein, ce qui donne cette impression de brouillard lorsqu'on le traverse. Mais bon, c'est pas non plus dur. Et sinon, pour répondre définitivement, c'était la première théorie, hein, de la mousse qui vient de l'océan, comme vu sur cette vidéo. Voilà pour ce grand mystère qui n'en était pas vraiment un, hein, car toute personne avec un minimum d'intelligence aurait vu... Ça peut être le bout d'un chemtrail, aviez-vous pensé à cela? Ah bah non, y a quand même des teubés, pardon. Bon là on s'attaque à une belle bête, et c'est peu de dire d'ailleurs, car nous allons assister à un véritable miracle d'après le titre de cette vidéo. Il met une poisson congelée dans l'eau. Regardez la suite. Bon bah c'est parti, alors regardons la suite. Alors là, waouh. Non mais waouh. Non mais vraiment, oh putain de merde. Mais c'est bon, mais quoi, oh, putain, mes chapeaux. Non mais les gars, vous vous rendez compte? Le truc il est congelé. Après il décongèle et il revient à la vie. Incroyable. C'est incroyablement faux. Le poisson n'est en aucun cas congelé, il est juste en hypothermie. Hein. C'est-à-dire que la température de son corps est bien inférieure à la normale. Son corps va donc réagir à cela en envoyant tout le sang vers les organes vitaux en priorité. Les muscles du corps sont à ce moment-là peu utiles, donc abandonnés au profit des organes vitaux. Oui, mais on dirait qu'il est congelé. Alors oui, effectivement, hein, on dirait qu'il est congelé car il bouge pas, alors je viens d'expliquer le pourquoi du comment, et aussi car il est plutôt blanc, et à vue d'œil sur la vidéo, on dirait qu'il est un petit peu dur. Et bien cela vient tout simplement du fait que lorsque ce connard a mis le poisson dans le surgélateur, celui-ci devait être encore bien humide, et a dû avoir encore pas mal d'eau sur lui. Une fine pellicule d'eau additionnée à de la surgélation suffit à former des petits cristaux de glace qui rendront le poisson tout blanc et assez rigide. Vous l'aurez compris, lorsque ce connard remet la bête dans l'eau, sa température remonte et son corps revient à la normale. Du côté des commentaires, on en est où? Ceci démontre la science. Si on congèle un corps humain, voilà le résultat. Alors, comment te dire là? C'est un petit peu compliqué. Alors moi, je vais bien prendre ton corps en tant que cobaye, hein, pour te démontrer que ça va pas forcément marcher. Bref, pas de miracle à l'horizon, juste un pauvre con qui s'amuse avec la vie d'un poisson. Tiens, revenons à nos nuages. Avec cette vidéo intitulée « Un étrange vortex nuageux se forme dans le ciel texan ». Alors cherchons ce nuage dans mon petit guide des nuages. Nuage en rouleau. Bon bah voilà, c'était pas très compliqué à le trouver déjà. Selon le tube nuageux peut s'étendre d'un bout à l'autre de l'horizon. L'un présenterait une surface très lisse, soyeuse, l'autre semblera rugueux et bosselé. Blablabla. Bref, on va sauter quelques lignes. Cependant, la plupart des nuages en rouleau sont des types d'arcus dus à une perturbation. Bon bah voilà, c'était pas très compliqué. C'est un arcus, un nuage tout à fait normal et pas du tout étrange. Arp, cherchez pas plus loin. Fucking arp. Cela s'appelle un chemtrail. C'est envoyé par de gros avions avec plein de merde dedans. Alors, comment vous dire? Franchement, je sais pas vraiment comment on fait pour être aussi con des fois. Enfin, je veux dire, les livres, ça sert pas qu'à faire beau et à prendre les poussières, hein. On y apprend aussi des choses dedans. Le savoir n'est pas quelque chose d'inné, c'est un truc qu'on apprend, d'accord? Enfin, bref. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune. Le Soleil. Mars, Vénus. Je vais faire appel au public. Ah bah là, j'ai pas vraiment d'explication là. Comme je l'ai dit plus tôt, le savoir c'est pas quelque chose d'inné, hein. C'est un truc qu'on apprend. Enfin là, on est quand même tombé sur un mystère qui demeurera être un mystère.
56% pensent que le soleil gravite autour de la Terre. Mention spéciale au public qui sont des bons gros bâtards. Je vous adore, surtout ceux qui ont voté le soleil. Je vous aime plus que tout.